Salut tout le monde, c'est Chiro, bye, j'espère que vous allez bien, moi je suis trop hypé, je vous jure, de base c'était pas prévu, mais on va faire la react de la saison 2 du coup de la parodie retake sur SAO, j'ai kiffé de fou, et je vous ai vu ma réaction, la saison 1, j'ai adoré, j'ai énormément rigolé la parodie de Giguk, là cette fois-ci c'est la saison 2, mais il n'y aura pas Giguk, c'est uniquement retake, du coup je suis aussi curieux de voir comment ils vont se démerder tout seuls. Parce que là, Giguk, il a été trop trop fort, frère. Mais on va dire que ils ont moyen de gérer en fait. Même s'ils peuvent reprendre des vannes et tout qui ont été pas mal. Je sais pas. Mais vraiment, j'ai trop hâte. Je suis trop hypé de fou. J'espère que vous aussi. De toute façon, si t'as kiffé la vidéo, pouce bleu, commentaire, abonnement, tu oublies pas. Évidemment, de nous rejoindre tous les soirs sur Twitch à 18h30. Chiro, bye! Ah oui, et au fait, j'ai vu dans mes paramètres YouTube que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos sans être abonné. Et c'est dommage, mon ref, si tu regardes les vidéos, abonne-toi, on est ensemble. Allez, bon visionnage. Cette vidéo contient des guns! Et un peu de spoil aussi. Des guns? Ouais, gun gay là. Saison 2. Après l'incident du jeu Sword Art Online, Asuna et moi, on a finalement pu retrouver le monde réel. Mais pas sans porter le fardeau de cette terrible expérience. C'est si agréable d'être de retour dans le monde réel. On en oublierait presque qu'on a tué des gens. Et puis, dans le vrai monde, on peut te tenir la main. Oui. Non, ça fume, cette vanne me fume parce que c'est un des speeches de la saison que Kirito est traumatisé d'avoir tué quelqu'un, tu vois. Ça me fume. C'est vrai, Asuna est vraiment douce, belle, sensible. Et puis Oli, c'est une vraie salue, mon Wesh lion. Qu'est-ce que vous me voulez, monsieur Kikuoka? Tu sais, Kirito, tu peux me parler comme à l'époque de SAO. Mais il y a zéro heal là. Bouge ton cul, pauvre con. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je voulais dire, c'est que tu peux me tutoyer. Qu'est-ce que tu veux? L'heure est grave. Une nouvelle vague de meurtres a eu lieu dans le jeu Gun Gale Online. Les joueurs ont été tués dans GGO. Oui, c'est ce que je viens de dire. Est-ce que ça te dit d'aller à nouveau risquer ta vie pour sauver des geeks célibataires alors que tu n'as aucune raison d'y aller et que tu vis le parfait amour ici dans la réalité? Non, merci, ça m'intéresse vraiment pas. Y a du fanservice? Non. Y a des motos? Non. Y a des guns? Non. Bon. Ça sert à rien que je te parle de la nouvelle héroïne, super bien foutue alors. Let's go! Merde, je me retrouve avec un skin de meuf. J'espère que ça changera pas l'expérience. Ah oui, le skin de meuf. Mais maintenant, mes grenades sont pas aussi explosives que ton pétard! Ouais, je sens que je vais bien m'amuser, moi. Je pense à toutes les meufs, hein. Une fille dans GGO, ça change. Une fille? Il faut que je lui dise que je suis un mec. Parce que je te jure que le prochain mec qui m'aborde, je le castre avec les dents. Ok, je suis une fille pour les 48 prochaines heures. Pas mal. Tout ce que tu veux ici. Pistolet, mitraillette, bazooka ou des références à Star Wars. Mais tu pourras sûrement rien faire avec. C'est mal connaître mes nouveaux pouvoirs. Wesh. Bon, on va t'inscrire au tournoi. C'est un battle royal. Comme Fortnite? Oui, mais en bien. On va d'abord commencer par les préliminaires. Tu veux pas qu'on apprenne à se connaître d'abord? Je parlais des matchs de présélection. Inscris-toi sur cette console. Oh, je suis plutôt PC à la base. Ta gueule! Ok, c'est mon premier. On est aigri, mais c'est bien Fortnite. Mon adversaire est sûrement bien plus expérimenté que moi. Ça ne va sûrement pas être facile. C'était facile. Le vrai. De quoi, le vrai? Le vrai. Écoute, articule, mec, on va pas. Tu es le vrai? Je n'ai pas compris. Maintenant qu'on est qualifié pour le Bullet of Optimized Bullet Show. Non, c'est Bullet of Bullets. Bref, j'ai une question, Shinon. Parmi ceux qui se sont qualifiés cette année, est-ce qu'il y a des joueurs que tu ne connais pas? C'est important pour la suite du scénario. Oui, il y a Rafot Senpai 05, White Power Ranger et Sterben. Ça veut dire mourir en allemand et sa description dit « Je purgerai le monde des hérétiques que vous êtes. » C'est lui, c'est lui. Je ne donne aucune information sur mon tueur, Tal. Mais c'est lui, genre. Même moi, j'étais vénère, c'était sûr que c'était lui. Patriota. Ladies and gentlemen, j'annonce officiellement le début du Bullet of Bullets. Cette année, ne manquez pas les plus grands virtuoses de la gâchette, avec notamment Jet Black, dit la campouse, et sa fameuse technique de gros lâche. Réel, la campouse. Macri, qui contrairement à son frère n'a aucun charisme. Et pour finir, White Power Ranger. Il a appris sa technique pendant 5 ans sur Euro Gymnastique 2019. Shinon, écoute-moi, ce serait une idée à la con de se séparer, alors on va le faire. Je vais voir si Desgun est dans ce stade pendant que tu restes là à penser que je suis très beau. Il est vraiment très beau. Ouais, j'ai pris honte. On comprend toujours rien, fais un effort, merde. Kirito, si tu ne viens pas sauver ton ami, je la tuerai. 1, 2, deux et demi, 2, 3 quarts. Sauvetage cliché, vous l'aviez vu venir, je le fais quand même. Pendant ce temps, dans Halo. J'avais oublié que j'étais dans cet animé, moi. Et moi, je suis toujours oui, c'est un vrai. Personnage secondaire. Ils sont aux F dans cette Quelqu'un saison. A une idée de quoi faire dans ce jeu? Desgun, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui ont un pistolet chargé qui tue dans la vraie vie. Toi, t'as le pistolet chargé qui tue dans la vraie vie. Effrayant. Merde, tu veux pas
régler ça à la course en sac. Je meurs, mais mon nom demeurera éternel. Salut, éternel, moi c'est Kirito. Non, je vaux mieux que des genoux. Écoute, Terminator, ça fait trop longtemps que t'es dans mes pattes. Et ce n'était que le début. Tu veux dire que tu te mettais en jambes? Tu sais, rapport au fait que tu sois déjà, ça y est, nous sommes sauvés. C'est bon. Même si on a fait que tuer son avatar et que le meurtrier est toujours en liberté dans la réalité. Donc en fait, on est toujours dans la merde. Allez, moi je veux la scène. Mais t'es pas avec Asuna? Moi, Asuna de quoi? Mais attends, moi j'attends de ouf la scène où il va aller dans l'appartement et il va se faire Hagra. Asuna quoi? Salut, c'est les bizarres. Oh là là. Attends, c'est cette scène que j'attends le plus. Vraiment, pour moi, c'est l'une des scènes les plus all time de SAO. Parce que faut quand même remettre le contexte. Kirito vient pour aider la meuf, mais c'est lui qui se fait éteindre quand même. Genre, c'est quand même une masterclass cette scène, quoi. Avec le petit patch qui le sauve en plus. Non. Quoi? Salut, c'est des pizzas! Sauvetage cliché! Vous l'aviez vu venir, je le refais quand même! Tiens, Kirito, pourquoi est-ce que Oh non! S'il y avait une scène à vraiment parodier, c'était celle-là! Non, j'ai juré, je vous jure! Cette scène, elle est beaucoup trop drôle, je suis déçu! Non, vraiment, cette scène, elle est juste incroyable! T'aurais pu tellement la parodier, je sais pas, faire une dinguerie! Oh la clim, je suis dégoûté. Tu nous présentes pas ta nouvelle meuf? Je vous présente Shinan. Shinan, je te présente Lisbeth et Asuna. Je te présente Lisbeth et Asuna. Enchantée, connasse. Enchantée, ravie de te connaître. Blabla amitié, blabla nouvelles aventures, bref, bienvenue dans la guilde. Bon, par contre, je dois te prévenir, dans le prochain arc, on risque de se faire chier sévère. On se fait chier sévère. C'est réel, hein. Joseph plus tard. Sérieux, pourquoi vous avez fait ça? Il paraît qu'il y a un nouveau... C'est réel que l'arc, il puait la merde. Le truc de Excalibur, là, avec le putain d'éléphant de merde. Oh, c'était tellement nul. Oh là 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 là. On a pu tellement le skip. Joueur qui bat tout le monde en 1v1. Enfin, une intrigue intéressante. On va enfin s'amuser. Ça sent la bonne ambiance, les amis. Je devrais apprendre à fermer ma gueule. Tu devrais apprendre à fermer ta gueule. Tu veux bien nous aider? Vous êtes qui? On est des enfants mourants et des handicapés seuls et coincés à l'hôpital. On veut battre un dernier boss tous ensemble avant de mourir afin de laisser une trace de notre passage dans le seul jeu qui nous ait permis de nous sentir vivants. Tu es moi. Je te présente. Je te jure, comment refuser là? Quand tu sais tout ça, bon, au début, Asuna elle savait pas, mais quand tu sais tout ça, tu peux pas refuser là. En tout cas, cet arc, il était vraiment incroyable de SAO, super intéressant. Vraiment, j'ai grave aimé. Hein. Les amis handicapés, les Sleeping. Maman dit, je suis très utilisé. Afin de garder notre monétisation quoi et un espace commentaire sain, l'équipe a décidé d'annuler cette vanne. Merci de votre compréhension. Ah, les bâtards. On a battu le boss, on est sur le ladder, c'est le début d'une belle aventure. C'est la fin du voyage pour elle. Avec vous, non. Je prends tellement de plaisir. Elle souffre terriblement. Je veux que ça dure pour l'éternité. Moi je lui donne quoi, 2 semaines grand max? Faut qu'il parle une dernière fois. Yuki. Oui. Pas toi. Soit ah, pas mal. Dernière volonté. Oui, bien sûr. Je ferai n'importe quoi pour je veux aller à l'école. Ça a vraiment... Moi, j'ai pété mon crâne. Comment ça, à l'école? Souhait de merde. Vraiment, mais vraiment un souhait de merde, gros. J'étais là, mais attends, c'est ça que tu veux? Bon, après, en vrai de vrai, quand tu suis l'histoire, vas-y, ça se comprend, tu vois. Mais alors là, franchement, t'aurais pu me dire, vas-y, je veux qu'on aille dans un parc d'attractions. Je veux, je sais pas, voir si, ça... L'école, frère. Bon, d'accord. Elle m'avait pas dit que je deviendrais une référence à Portal. Ravie de te rencontrer, Yuki. Porte mode sentinelle activée. Asuna, le médecin m'a dit que j'allais mieux. C'est vrai? Non. Tu sais, Asuna, je dois te remercier. Grâce à toi, j'ai finalement pu me sentir vivre. Ah, ta, je t'arrête tout de suite. J'ai résisté à la fin de Clannad et du tombeau des Lucioles. Alors, c'est pas cette scène cliché. Oh, les refs! Oh, les refs! Surtout tombeau des Lucioles, hein. Oh là là là. Comment ça résister par contre? Tu peux pas résister à ton modèle Luciole, c'est pas possible. Tu vas me faire pleurer. Je connais la fin de One Piece. Non, attends, Yuki. Pas mal. Yuki. J'aime bien. Cette saison aura été éprouvante pour nous tous. J'ai fait face à un tueur en série, je suis devenu un personnage secondaire le temps d'un arc et toi... C'est vrai. Tu as vu mourir une enfant. Encore une preuve que ce jeu n'apporte que des expériences traumatiques. Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire? Toujours plus jouer à SAO. Ah, même van. Yeah. Ok. Non, en vrai, sympa. Buenos dias, les boss. Ouais, du coup, je disais, il est super cool. Bon, pas meilleur que le premier, le meilleur et all time de fou. Mais en vrai, il y a quand même des bonnes vannes. Il y en a, ils m'ont dit que j'allais être déçu, tout ça et tout. Au final, en vrai, pas tant que ça. C'est sûr que c'est moins bon que le premier de Gigok. Mais il est quand même super cool, j'aime bien les vannes,
Elles sont faciles mais efficaces. Non, vraiment cool, hein. Vraiment, j'ai bien aimé. Sympa, sympa de fou. Soit il nous reste la saison 3, je sais pas, vous en avez pensé quoi, vous? Il y a toujours pas eu sa pipe. Ouais, non, mais vas-y. C'est bon, on arrête avec ça. C'était drôle, mais... Bon, bah si, il l'a eu, parce qu'il a dit au début que Oli, tout ça et tout, bref. Ouais, j'ai buté là et tout. Saison 3, c'est pas à la 2. À la 3, elle est meilleure, par contre. Oh, bah tant mieux. Tant mieux, c'est ok. Bah, elle est cool. Moi, je trouve elle est cool. Moi, je l'aime bien. Elle est sympa de fou. Mais ouais, la première reste quand même meilleure. Après, on verra. Il reste la troisième. On verra, mais en tout cas, je kiffe beaucoup plus ce marathon SAO, la retake, que SNK de retake. Si je peux me permettre, vraiment, je rigole plus, tout ça et tout. Les vannes sont plus cool pour moi. Non, vraiment sympa de fou. Vraiment sympa. Le 3, il est olympique. Ah ouais? Vas-y, hey, vous me hypez. Mais cette fois-ci, non. Là, on a maté le 2. Le 3 plus tard. Bref, si t'as kiffé la vidéo, bah, pouce bleu, mon ref, c'est important. Commentaire, abonnement, tu connais. Et évidemment, de nous rejoindre tous les soirs sur Twitch à 18h. Ciao, bye!